Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs, recevez nos salutations. Que la paix et l'harmonie qui vient d'en haut viennent également sur vous. De quelques obédiences religieuses que vous soyez, à quelques entités spirituelles que vous appartenez. En tout cas, shalom, que la paix soit avec vous. Nous sommes heureux de revenir chez vous à travers cette émission de spiritualité. L'appel de l'aurore, avec comme invité aujourd'hui Maître Rama. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Guy Serge de Mwanza. Bonsoir, peuple de Dieu. Maître Rama est dans la ville côtière, comme nous aimons l'appeler Ndindi. Il va passer 3 mois, 90 jours ici, pour des conférences, des séminaires, des traitements et des initiations sur le Nzobi. Pour commencer avec Maître Rama, nous allons devoir évoquer aujourd'hui le thème le Nzobi. Question pour nous de savoir qu'est-ce que c'est. Et d'un point de vue pratique, à quoi ça renvoie? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Avant d'entrer dans les arcanes, les secrets de ce concept Nzobi, d'abord notre question d'échauffement comme il est de tradition. Alors, Maître Rama, vous avez certainement appris, comme tout citoyen congolais, la transition, comme on le dirait sur le plan spirituel, en tout cas en termes ordinaires, le décès de Mouema Kosso IV depuis le 23 décembre 2020 à Rabat, au Maroc. Son corps a été rapatrié, il a été inhumé de manière officielle et donc solennelle le 3 février dernier. Il y a eu beaucoup de supputations autour de son décès parce que pour certains, en tant que traditionnalistes, il ne serait pas mort à l'étranger. Vous êtes également initié. Que pensez-vous de ces supputations? Maton Domingue Mbutagi Serge de Bwanza. Effectivement, c'est un tinu. Tinu veut dire en langue Congo, en langue de chez nous, un roi. Un mani, mani qui veut également dire roi, on peut dire en Congo, Ntinu ou mani Congo. Selon nos us et coutumes, je parle selon nos us et coutumes, le roi ne peut pas mourir à l'étranger. Selon nos us et coutumes. Bon, il peut arriver que pour des raisons médicales, pour des raisons... pour une raison ou pour une autre, que le roi puisse être, puisse aller à l'étranger, puisse suivre parce qu'il était malade. Nous devons retenir que ce qu'il a emmené hors de son territoire royal, hors de sa république, c'est l'état de santé qui était devenu précaire. Et donc nous devons avoir un peu de compassion parce que l'être humain, le monde tout, il est spirituel, il est charnel et nous devons avoir la compassion. À mon humble avis, ce n'est pas un sujet qui doit déchirer les gens, hein, c'est un humain. C'est un roi. Bon, nous sommes dans les temps modernes, il a pensé qu'il devrait avoir des soins meilleurs à l'étranger. Malheureusement, il nous a quittés parce que la vie et la mort, le seul et unique décideur de la vie ou de la mort, c'est à Tanzania Mpungu. On peut avoir les meilleurs soins du monde, mais si Dieu en a décidé autrement, nul ne peut s'y opposer. Donc, Dieu en a décidé ainsi, il nous a quittés, paix soit à son âme, paix soit à l'âme du regretté roi, mais je pense qu'on ne doit pas faire de ça un tabou. Sinon, dans nos us et coutumes, ceux qui ont réagi ont raison, dans nos us et coutumes, Ntinu, quelquefois, Kanaboua le Yandi. Donc, ceux qui ont réagi comme ça,
ils ont réagi par rapport à nos us et coutumes. Nous sommes un royaume, nous avons des cultures de nos royaumes, nous avons des rois qui existent jusqu'à nos jours, des rois qui existent jusqu'à nos jours. Donc, pour moi, à mon humble avis, ça ne peut pas déchirer les gens, on ne peut pas faire de ça une polémique. Il y a les soins à l'extérieur, il est allé se soigner, l'intention c'était d'aller se faire soigner, ça c'est pas interdit. En tout cas, il n'y a pas de polémique autour Maître Rama, oui, ce n'était qu'une question d'échappement, question d'obtenir l'avis d'un initié. Merci. C'est des supputations journalistiques, mais nous avons eu la chance de rencontrer certains spécialistes qui ont estimé que Sa Majesté Mwema Koso IV avait ceci de particulier que d'établir un syncrétisme ou un mariage entre la tradition africaine et la logique moderne, ce qui lui a valu d'être un roi de la modernité parce que vivant les temps modernes. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le concept Nzobi. Alors maître, on considère généralement un concept comme étant la clé permettant d'aller à l'intérieur de la notion cachée, des choses cachées. Oui. Est-ce qu'on peut, avec nos téléspectateurs, comprendre ce que veut dire le concept Nzobi? Maton Domingue et Mboutangui Serge de Mwanza, le Nzobi n'est pas un fétiche. Le Nzobi n'est pas une secte. Le Nzobi, ce n'est pas de la sorcellerie. Au contraire, le Nzobi, ce n'est pas de la magie. Le Nzobi, c'est quoi? Yakele Kimpe ve Yabeto. C'est-à-dire, c'est notre spiritualité à nous. Vous allez vous rendre compte que chez nous, dans le Nzobi, si quelqu'un est allé faire des mauvais fétiches, soit pour envoûter un homme, envoûter une femme, donc Kent Mekwen Sal Bankisi, Samti Bakal Yandi Kumnet Moi Zobi Yandi, ou Bakal Pemekwen Sal Bankisi, Samti Kento Kukumanet Zobi Yandi. Donc des mauvais fétiches. Alors, s'ils viennent chez nous au Nzobi, ces fétiches-là, nous allons leur demander de les déposer au Nzobi qui va les neutraliser. C'est autant pour quelqu'un qui a par exemple un portefeuille magique. En d'autres termes, si vous permettez, Maître Rama, qu'on s'arrête momentanément pour comprendre la profondeur de ce que vous dites, ça n'est pas un fétiche. Oui. Ce n'est pas de la sorcellerie. Oui. Alors, oui. Quelle est cette chose qui a la capacité de neutraliser le fétiche? Matondo Mingi Mbuta Ndomanza, il n'y a que la puissance de Mpungu Tulendo. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut neutraliser le mal. C'est pour cette raison que nous avons ici dit que Nzobi, ce n'est pas un fétiche. Nzobi, ce n'est pas de la sorcellerie. Nzobi, ce n'est pas de la magie. Il y a quelqu'un qui me paye. Effectivement, je vais le démontrer et l'expliquer parce que je suis un Ganganzobi, un Ganzobi, initié au Foyi de Zanaga. Le Nzobi, c'est quoi? Le Nzobi, c'est une spiritualité divine qui se fonde sur les commandements divins, c'est-à-dire les lois et les principes de la nature. Nous savons tous que notre société est régie par les lois de la nature. Quelqu'un ne peut pas aller chez autrui voler. Il va être frappé par la loi de la nature. Quelqu'un ne peut pas aller prendre la femme d'autrui. Il va être frappé par la loi de la nature. Quelqu'un ne peut pas commettre un crime. Il va être frappé par les lois de la nature. Et donc, le Nzobi, c'est cette spiritualité qui moralise l'homme. Et qui moralise et qui éduque l'homme de telle sorte que l'homme ne puisse pas enfreindre aux lois et aux principes de la nature qui ne sont autres que les commandements de Dieu. Et donc, quand quelqu'un s'amuse à
envoûter sa femme ou une femme, son muse envoûter son homme, pour que ce dernier ou cette dernière soit un esclave spirituel. On a vu des conséquences de ce genre de pratique-là où monsieur est envoûté par une concubine, le monsieur abandonne sa femme, ses enfants, un grand chef d'une entreprise, un grand responsable d'une administration congolaise. On en entend parler. Mais il y a aussi, Maître Rama, puisque nous parlons là des faits de notre société, des travailleurs qui jettent, il faut le dire sans fausse modestie, qui jettent de mauvais sorts à leurs collègues pour bénéficier de certains postes. Effectivement, Mbuta Ndoumanza, le Nzobi effectivement combat toutes ces antivaleurs, toutes ces pratiques maléfiques, toutes ces pratiques rétrogrades et inhumaines. Nous avons ici cité le cas de ceux ou de celles qui embouteillent l'esprit de leur époux ou de leur épouse. Il y a entre autres aussi des pratiques où l'on jette des sorts juste par jalousie ou haine parce que X occupe un poste plus important que l'on convoite. Eh bien, on va aller voir un sorcier. J'aime bien utiliser les mots ou les termes de chez nous, un mouloki. Je ne les appelle même pas féticheurs, je les appelle des mouloki. Et donc, on va aller voir un ganga mouloki qui va donc, ganga mouloki veut dire un mage noir en français, un ganga mouloki qui va donc jeter un sort de nuisance à une tierce personne. Et donc, le Nzobi est contre ça. Et si la victime pouvait venir vers les maîtres du Nzobi se plaindre pour chercher réparation, pour chercher guérison, soyez-en sûr que le Nzobi va certes soigner la victime, qui est la victime de ce sort, mais aussi punir, châtier le malfaiteur. Parce que dans le Nzobi, il y a la morale. Il ne faut pas faire du mal à son prochain car l'être humain est sacré. Il y a aussi la sentence, le verdict spirituel du Nzobi. Et donc, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, vous venez chez l'Enga Nzobi que nous sommes, nous irons vers le Nzobi. Nous allons donc prononcer la sentence de la personne qui a fait du mal à X. Le Nzobi va châtier le malfaiteur, qui qu'il soit, quelle que soit sa puissance occulte, quel que soit le rang mystique qu'il peut avoir. Dans le Nzobi, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de skitch. On ne peut pas esquiver. Alors, Maître Rama, on croirait, en vous écoutant et en faisant une économie de mots, que le Nzobi, c'est finalement une sorte de justice traditionnelle. Effectivement, disons que c'est une justice à la fois traditionnelle et spirituelle. Parce que pour nous, les Africains, les Kamites, la spiritualité et la tradition sont incluses. On ne peut pas dissocier la spiritualité de la tradition. Et donc, le Nzobi est à la fois un jugement ou un tribunal traditionnel et spirituel. Et donc, y en a qui pensent que c'est aussi un culte traditionnel. Effectivement, oui, ils ont raison. En d'autres termes, dans la pratique du Nzobi, il y a des rites donnés pour pouvoir... Effectivement, nous avons des cultes. Nous avons des danses, nous avons des chants spirituels, Nzobi. Nous avons des rituels, nous avons des initiations, nous avons les guérisons, la thérapie du Nzobi. Nous avons des exorcismes, Nzobi. Quand quelqu'un, c'est vrai qu'on ne va pas faire les exorcismes à la chrétienne. Nous avons notre façon de pratiquer nos exorcismes. Il y a des rites qui sont propres au Nzobi, à nos traditions. À nos traditions. Déjà, on va saisir la balle au bon pour ouvrir une grosse parenthèse que nous allons renfermer, puisque nous avons considéré le Nzobi comme étant une spiritualité traditionnelle. Oui. Ça veut dire que d'un point de vue géographique, oui, on peut circonscrire les départements de chez nous où ce culte est pratiqué. Je me souviens, en termes de recherche, que dans les départements comme la Likoumou, le Niari, la cuvette ouest, jusqu'à la cuvette dans le monde teke, d'une manière générale, le Nzobi est pratiqué. Oui, et jusqu'au Gabon. Le Nzobi, vous allez vous rendre compte que
C'est l'unique tradition pour parler du Congo qui se trouve et au nord de la République du Congo et au sud de la République du Congo et qui s'étend jusqu'au Gabon d'où il est originaire. Et à l'époque, ce n'était pas encore le Gabon actuel, ça faisait partie du Moyen Congo. Donc le Donzobi est originaire du Congo parce que le Haut-Ogoué à l'époque faisait partie du Moyen Congo dont Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et donc, c'est un culte qui se pratique pratiquement partout au Congo, dans les principales régions que sont la cuvette ouest, la cuvette, la Lékoumou, le Niari. Voilà les principales régions où ce culte se pratique. Mais toutefois, tous les Congolais s'initient au Nzobé. Nous avons les ressortissants de toutes les ethnies qui se font initier au Nzobé parce que nous avons ici dit... En d'autres termes, maître, oui. Aujourd'hui, il n'est plus question d'être... forcément de la Lékoumou, originaire de la cuvette ouest. Même en étant de la Bouenza, on peut être initié très bien, au Nzobi. Très bien. Nos parents de la Bouenza, de la Songa, nos parents de toutes les régions, parce que nous appelons ça Nzobi Okwa. Nzobi Okwa, c'est quoi? Ça veut dire que tout le monde, vous êtes originaire du Poule, vous pouvez venir vous faire initier au Nzobi. Vous êtes originaire de la Sanga, de n'importe quelle région de notre République, vous pouvez vous faire initier. Au-delà de la République, vous êtes originaire d'autres pays, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, vous pouvez vous faire initier. Et pour notre enseigne, nous avons des frères de la Guadeloupe qui viennent se faire initier en juillet, parce que nous avons du 20 au 23 juillet 2021 à Zanaga, le pèlerinage international et national du Nzobi, où vous pourrez venir assister aux danses du Nzobi, visiter les lieux sacrés Nzobi, discuter, sinon venir découvrir ce que c'est que le Nzobi chez les Nga Nzobi à Zanaga, et aussi profiter de vos soins spirituels et traditionnels. Vous avez des problèmes, des soucis spirituels, vous avez des menaces mystiques, sorcières, etc. Vous pouvez venir à Zanaga du 20 au 23 juillet. On va vous donner les coordonnées par lesquelles vous pourrez nous joindre à la fin de l'émission pour que vous nous joigniez, pour que vous puissiez venir profiter de ce grand pèlerinage qui se tiendra du 20 au 23 juillet 2021 à Zanaga, où il y aura tout pour découvrir le Nzobi, tout pour se faire initier au Nzobi. Donc, il y a deux frères de la Guadeloupe, il y a les afro-américains, tellement que j'aime bien les afro-américains, j'allais dire les afro, donc les africains qui sont en France, la diaspora afro qui se trouve en France, qui viendront à Zanaga, et nous avons même prévu inviter notre chaîne tant aimée MCR TV pour que ça puisse passer sur les chaînes de MCR TV cette auguste activité. C'est un événement majeur pour dire. Ouais. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, ouais. Ouais. Alors, on saisit la balle au bon, Maître Rama, en harmonie avec nos téléspectateurs pour comprendre quand, à quel moment intervient le culte Nzobi. Généralement, et vous l'avez évoqué implicitement, quand on se sent visé par un mauvais sort, quand il y a litige, quand il y a conflit, alors dites-nous à quelle occasion intervient le culte. Très bien. Le Nzobi, c'est une spiritualité qui intéresse avant tout les gens ou les personnes qui sont victimes de la sorcellerie. C'est-à-dire, vous savez, je n'ai plus à vous le démontrer, nous sommes dans un continent et dans un pays où la sorcellerie est devenue une religion, Kindoki. Les gens aiment faire du mal, on ensorcelle, on bouffe des gens
comme on le dit dans le jargon congolais, Bamekudia. Un tel, les veillées sont devenues à la mode. Ce ne sont pas des morts naturelles. Une tradition qui fait des ravages à notre société. Vraiment. Et donc, on sait qu'il y a des villages qui se sont vidés parce que y a la les gens ont pris peur de la sorcellerie. Très bien. Très bien. Et on va se rendre compte d'un fait, Mbuta de Mwanza. Pourtant, tout autour de nous, il y a des églises. Hein? Pourtant, tout autour, on est même indisposé par le bruit sonore émis par les églises. Il y a les églises qu'il y a tout autour de nos maisons, dans nos différents quartiers. Mais pourquoi il y a toujours cette recrudescence de la sorcellerie? Des pratiques diaboliques. Maître Rama, je vous rejette la balle. On pourrait dire la même chose d'une zombie. On sait que depuis la nuit des temps, nos ancêtres pratiquaient le culte d'une zombie. Mais pourquoi les mauvaises pratiques? Pourquoi, il me souvient encore, toutes ces mauvaises choses que le président a décriées lors de son investiture, les antivaleurs. Oui. Pourquoi tout cela continue à exister? Très bonne question, Mbuta. Vous êtes sans oublier que nos coutumes, notre culture, notre spiritualité, depuis le 18e siècle, est traquée, combattue. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs. Où toutes les pratiques africaines sont diabolisées. C'est que même la tisane dans certaines églises, on vous dira que c'est démoniaque. Même la tisane. Et on va vous dire que vous n'avez pas besoin de tisane, il suffit de croire et d'avoir la foi pour que vous guérissiez. Finalement, pour quelle raison Dieu aurait créé les plantes médicinales? Pour quelle raison les grands scientifiques du monde utilisent les plantes pour fabriquer les meilleurs antibiotiques du monde? Donc, voyez-vous, et il y a effectivement cet impact négatif qui a aussi contribué sur l'essor et l'évolution de la sorcellerie. Plus on a diabolisé nos cultes sacrés, nos cultes divins, nos cultes positifs, plus on les a dénigrés, plus on les a rejetés, ça a profité à la sorcellerie. Et aujourd'hui, le Nzobi à pointe noire, 80% de personnes vous diront que c'est diabolique, c'est démoniaque. Parce que ces personnes se retrouvent dans des églises importées qui les ont aliénées, disons les choses telles qu'elles sont. Mais quand vous irez dans nos contrées, dans les contrées où il y a le Nzobi, je cite Zanaga, Mayoko, Kele, Binda, Tingidi, Evo, vous n'allez pas avoir le même taux de sorcellerie, le même taux de criminalité, le même taux de maléfice. Pour une preuve, à Zanaga, il n'y a pas de bébé noir. Un seul s'était amusé de quitter Brazzaville pour venir faire sa mauvaise besogne à Zanaga. Quel a été son sort? Il commençait à vomir du sang. Du sang. Sans que personne ne le touche. Bébé noir de Brazzaville qui voulait exercer sa mauvaise besogne à Zanaga. Nvana Lukmeng. Et aussitôt à l'hôpital, on lui a dit ce n'est pas une maladie ordinaire, le Nzobi t'a eu. Par chez l'Nzobiste. Quand il arrive chez l'Nzobiste, il avoue. Automatiquement, ça cesse, le sang cesse de jaillir de sa bouche. On le lave, comme on dit, la personne est guérie. Il fallait l'introduire dans le Nzobi, l'initier dans le Nzobi. Aujourd'hui, c'est un homme positif, bienfaiteur de la société. Et qui aujourd'hui vous reçoit même dans le Nzobi, il est devenu un saint dans la communauté des Nzobistes. Et donc, dans le Zanaga, tu te promènes à n'importe quelle heure sans craindre que l'on t'agresse, sans craindre que l'on te fasse du mal. Parce que n'importe quel criminel qui oserait faire du mal à son prochain là-bas, il ne va même pas avoir affaire à la gendarmerie qui existe à Zanaga. Ou à la police qui existe à la Zanaga, il va avoir affaire au Nzobi. Bakesala, qui banditisme veut na Zanaga. À Mayoko, même le billet de 10 000 francs que tu jettes, que tu fais tomber, allais-je dire, Moundike même na bombe yakuiz lokote billetina. Parce que si tu pars te plaindre chez les Nzobistes et que l'on pratique le Nzobi, la personne qui a volé ce billet est frappée par le Nzobi. Et donc, si cette sagesse, cette spiritualité
peut aujourd'hui être admise dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, comme Brazzaville, Pointe-Noire et autres, je peux vous assurer que la sorcellerie sera vaincue comme elle a été vaincue au XVIIe siècle en Occident et en Orient. De fil en aiguille, Maître Rama, ce propos sur l'extension d'une zombie dans les grandes métropoles nous permet d'établir le lien avec la dernière partie de la première rubrique éclairage. Nous avons, à travers nos recherches, appris que les zombistes seraient allés à la rencontre du président de la République en rapport avec les antivaleurs, lui proposer la possibilité d'intégrer la dynamique d'une zombie dans notre société pour que cessent justement les antivaleurs. Très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut rectifier. Je suis le président national de l'association des zombistes du Congo, en sigle ANC. Nous n'avions pas rencontré le président, non. D'ailleurs, notre souhait serait de rencontrer la première autorité du pays, parce que nous avons aussi apporté notre humble contribution pour l'émancipation, le progrès, le développement de notre pays sur tous les plans. Et surtout que la spiritualité précède tous les autres domaines. Et donc, elle est considérée comme la mère des sciences. La mère des sciences, très bien. Donc nous n'avons jamais été reçus, sinon on l'aurait dit et on serait allé très loin. Plutôt nous avions écrit. Et nous attendons jusqu'aujourd'hui la réponse qui n'est jamais revue, qui n'est jamais arrivée jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il était question que nous accompagnions. Et vous manifestez un regret à ce sujet. On a l'impression que nos anciens, nos autorités ne font pas attention à ce qui vient de chez nous. Nous allons booster encore la question. Vous savez que la politique, c'est toute une administration. Est-ce que c'est arrivé au chef de l'État? Point d'interrogation. Est-ce que ça s'est arrêté en cours? Point d'interrogation. Et donc, c'est toute une administration, mais on a boosté encore Il faut une petite dose de zombie à cette administration, certainement. Il nous a boosté parce que notre intention... C'est un secret de polichinelle. Notre administration est lourde et lente. Voilà. C'est connu de tout le monde. Voilà. C'est un secret de polichinelle. Oui. On va devoir embrayer avec la deuxième rubrique après éclairage. Nous parlons d'axioma. Oui. Et dans axiome, il s'agit essentiellement de deux adages qui vont nous permettre d'asseoir notre enseignement sur le zombie. La première règle ou le premier principe dit il y a deux choses à ne pas faire. Oui. Les promesses dans la joie, oui. Les décisions dans la colère. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez? Oui. Cet adage a-t-il un lien avec le zombie? Mais c'est même une sagesse africaine. C'est même une sagesse africaine. D'autant plus que la sagesse a vu le jour en Afrique, à Kamangipiti et Kipata, c'est-à-dire en Égypte antique. Les sciences sont nées en Égypte. La spiritualité est venue d'Égypte antique. C'est une sagesse purement africaine. Quand on est dans la joie, on est dans le débordement. Donc c'est il faut pourquoi, éviter de faire c'est des pourquoi problèmes. Les sages disent il faut toujours se maîtriser dans la joie parce que le même débordement de la joie peut conduire à une crise cardiaque. Beaucoup meurent parce qu'ils ont été excédés par la joie. Et donc, dans la joie, on peut même promettre des milliards, des millions. On peut même promettre une villa à un ami, à son épouse, à un copain. Et après, on le regrette. Pourquoi pas le ciel qu'on ne peut pas soi-même posséder? Voilà. Et après, on le regrette. D'où il faut avoir, comme le dit effectivement l'axiome, la maîtrise. J'enseignerai les gens à avoir la maîtrise. Être joyeux, c'est une bonne chose pour la santé psychologique, mentale, émotionnelle et physique. Mais aussi, il faut avoir la maîtrise. Comme aussi, ne pas prendre de décision dans la colère. Il ne faut jamais, surtout là c'est même pire, il ne faut jamais prendre la décision dans la colère parce que la colère est une courte folie. Donc on est à demi-fou lorsqu'on est coléreux, on est à demi-fou lorsqu'on est dans la furie. Et en ce moment-là, on peut même décider de faire du mal, même à son propre enfant. Ce n'est qu'après que l'on regrette. C'est pourquoi chez nous dans le zombie, on ne jure jamais. Quand vous êtes zombiste,
je ne peux pas jurer de ne plus jamais vous causer. Si je le faisais, le nzobi me rattrape. Je ne peux pas dans ma colère dire Mouke peste diave un boutassage de manza un beauté. En tant qu'initié, si vous le faites, le jour où je viens vous saluer, alors que j'avais juré dans ma furie, dans ma colère, de ne plus jamais vous saluer, le nzobi me prend. Et le deuxième axiome à Maître Rama, oui. À bon mentir qui vient de loin, oui. On l'entend souvent, oui. Cet adage populaire, à quoi ça peut renvoyer par rapport à la philosophie du nzobi? Mais oui, parce que quand quelqu'un vient de loin, bon, on a moins de considération pour cette personne. Et ça, ce n'est pas une sagesse kamite. Kamite veut dire africain. On est content de toutes les sciences qui viennent d'ailleurs, de toutes les spiritualités. Voilà. Voilà. Tout ce qui vient d'ailleurs, bon, on pense que c'est meilleur à ce que l'on a. C'est même le contraire. C'est même le contraire. Parce que la nature vous donne le trésor là où vous êtes. Nous sommes africains. Tout autour de nous, il y a les trésors. Sous terre, là, il y a le pétrole. À côté, là, il y a la mer. Et là-dedans, il y a du poisson. Vous traversez de l'autre côté, c'est le Mayombe. Vous rentrez en bas, là-bas, il y a des rochers. Donc, pourquoi aller chercher le bonheur chez les autres? Donc, la nature est parfaite. Et donc, c'est souvent une illusion de croire que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce que l'on a. Voilà. Pour terminer, c'est la troisième et dernière rubrique, Praxis. Oui. Oui. Maître Rama, nous avons suffisamment parlé de nzobi. Cette fois-ci, dans la dimension pratique, oui. Comment devenir nzobiste? Oui. Quels sont les bienfaits du nzobi pour ceux qui voudraient s'accommoder de cette spiritualité traditionnelle? Très bien. Pour devenir nzobi, c'est simple. D'abord, avant tout, vous devez être quelqu'un de très bonne foi. C'est-à-dire que si quelqu'un loka kenge mampang, il ne t'amuse pas à venir dans le nzobi, tu viens te sacrifier. Tu n'auras pas une longue vie. Si tu es un voleur, en tout cas, n'ose même pas venir, hein, franchement. Les gens sont habitués à aller faire leur confession dans leur église là-bas, tant mieux. Mais ici, au nzobi, on n'accepte pas de servir et le bien et le mal à la fois. Vous faites un choix. Si vous voulez servir le bien et vous ne voulez plus que le mal vous atteigne, en ce moment, vous venez au nzobi. En bref, je veux dire que ne viennent au nzobi que des gens de très bonne moralité. Ne viennent au nzobi que des gens de très bonne foi. Ne viennent au nzobi que des bananzambi, des saints. Babananzambi. Et en ce moment, on vous initie. Et on ne va pas dire ici à la télévision comment on initie. Mais il y a des étapes dans l'initiation. La première étape consistera à danser le nzobi toute une nuit. C'est au cours de cette initiation que les mystiques du nzobi, les maîtres du nzobi, vont réellement voir si vous pouvez affronter le foyi. Le foyi, c'est le temple sacré du nzobi. Donc, avant d'aller au foyi, vous allez danser toute une nuit. Il y a le nzamba, le vin local, qu'on boit, et on danse le nzobi. On danse le nzobi. Et c'est au cours de cette danse sacrée que vous allez faire votre confession avant d'aller au temple sacré, le foyi. Si vous avez tué Zonzayao avant que Kotaku n'en a foyi, si tu vous avais volé Zonzayao avant que Kotaku n'en a foyi, parce que ce que tu vas cacher dans ton cœur, le nzobi va te le faire sortir là-bas dans le temple. Et quand le nzobi te le fera sortir, il va te foudroyer parce que tu as voulu le jauger, tu l'as sous-estimé. On ne sous-estime pas le nzobi est insous-estimable. Il te frappe et beaucoup sont morts comme ça. Beaucoup sont morts parce qu'ils croyaient qu'ils étaient à la hauteur, ils pouvaient dribbler le nzobi, ils avaient sous-estimé le nzobi. Bon, à la confession, ils ont gardé certains secrets. Quand ils arrivent là-bas, le nzobi le prend. Et donc, quand vous avez bien fait votre confession, si vous avez fait 1000 personnes, vous avez fait 1000 personnes, mou yibaba milliard, mou salaba curotage, mou vana baskana pib, mou kendoki. Fais peut-être ta confession. En ce moment, quand tu iras au nzobi, le nzobi sait que tu t'es réellement confessé, tu as dit réellement la vérité. En ce moment-là, tu peux devenir un nzobiste et on te coupe le nzobi. Ça se coupe dans le corps. Et quand on te coupe le nzobi, tu n'es plus obligé de faire ce que tu faisais. Singe vana fwa bant, kusal diavea. Singe vana yibaka, kuyib diakave.
singe vana basika na pip na kwen lok bantu ku basika nge diave na pip junge ke mek na cercueil. Alors, maintenant, tout ça effraie, oui, mais c'est pour le bien de l'humanité. C'est la rectitude mentale. La rectitude mentale. Dont nous avons tous besoin. Voilà, la société a plus que besoin de cette rectitude très bien, mentale. Et maintenant, l'avantage. Pour qu'on évite de biaiser, de faire de l'à peu près. De l'à peu près. L'avantage, c'est que une fois que vous sortez du foyer, Mbuta, personne, je dis bien personne, alors personne ne peut vous atteindre mystiquement. Je dis bien personne. Aucun sorcier, aucun mage noir, aucun magicien, même le plus puissant des malfaiteurs sorciers ne peut pas vous atteindre. Il meurt. C'est-à-dire qu'il y a quelques uns en an, Guy Serge de Mwanza, il fait une coup fois, alors que Guy Serge de Mwanza est initié dans le Nzobi. Tu meurs. Donc, voilà les avantages. Et vous êtes protégés, vous, votre épouse, vos biens et votre entourage. Donc, vos enfants vont bénéficier de votre protection. Et c'est une protection à vie. À vie. Et donc, ça, c'est pour ceux qui veulent s'initier. Toutefois, tout le monde n'est pas obligé de s'initier pour bénéficier de la protection d'une Nzoubi. Non. C'est-à-dire que, vous qui nous suivez, si vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt à respecter les commandements de Dieu, les lois et les principes de la nature, que tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il ne faut jamais tuer son prochain, il ne faut jamais voler, il ne faut pas mentir, qu'il n'y a pas un kouba kaveya, ou tout le monde le sait, c'est même prêché dans les églises. On peut alors consulter le nzobiste pour voilà, régler un problème. Voilà. Si vous pensez que moi je ne suis pas encore prêt, hein, moi je ne suis pas encore prêt, hein, parce que je ne suis pas encore prêt. En ce moment-là, vous venez voir le nzobiste et on peut vous protéger sans qu'un kouba nzobiste, c'est-à-dire devenir un initié du nzobi. On peut vous protéger, on vous coupe le canon. Le canon, c'est le nzobi qu'on vous coupe pour votre protection. C'est pour que moutou kouzwange diave, moutou losge diave bambasu, bamwanza, minduki ya pipa, ba keke, tout ça là, au bas accident, ya kindoki, bame piégenge na accident, gemme koufwa un, gemme koufwa diave. Donc ça, c'est possible sans que vous en soyez, sans que vous soyez un initié. Aussi, on peut protéger votre maison là où vous habitez. Parce qu'un homme vraiment qui est un homme doit se protéger. Un comme homme on dit qui est souvent un... chez nous, Pamba Kelembo TV. Très bien. Ma cadette se souviendra très bien de cette formule Pamba Kelembo TV. Effectivement, je reviens même sur cet adage. Pamba Kelembo TV. Donc, singe kelembakala ou bien kentu ya kulunga, ça la ba protection en zutiengi. Protéger pe lupangenge nyosi bet que sala ke betia ou nzubi sans que ngeva nange mombi nzubi galan protéger nzutiange quand même ba poison ya mutenti bimbi metulenge kimya imbi yake mwangan veke sukase galan protéger nzutiange galan protéger lupangenge galan protéger voiture yange galan protéger dikande yange yake vena bisiku mutine banke zonzak nzobi ke bien meni bisiku ke lengol bisiku singe mekota na nzobi mais singe mekota vena nzobi tu es libre si tu n'es pas rentré dans le nzobi tu es libre bisiku ke levé et en plus ce qui est merveilleux c'est que vous êtes libre de prier à n'importe quelle obédience religieuse ou initiatique. Vous pouvez faire initier dans le nzobi être un roseau chrétien appartenir à n'importe quelle obédience, à condition que ngeku mélange ve kinzambi na menga. Tu es rosochristien, étudie tes monographies, éclaire ta conscience, ce sont les enseignements de l'éveil de la conscience. Tu es gnostique, étudie ta gnose, mais si tu veux faire le kikarashika, alors que tu t'es fait initier dans le nzobi, papa, ngeke van venaluzingi, yainda ngeke kufwa. Et donc, il est mieux de, pour ceux qui ne sont pas prêts, venez vous protéger. Kunabisi kukelevé. Je suis nganzobi, j'initie les gens dans le nzobi, je coupe les gens le nzobi, j'enseigne le nzobi, j'ai une école initiatique nzobiste dénommée OTK, qui signifie Ordre Traditionnel Kamit. Kamit qui veut dire africain. C'est-à-dire, c'est une école des Noirs. Moutine, mekakuzonzaka, école yabandombi, école yakimpeve,
Yabando. Alors le contact maître pour ceux qui veulent vous rejoindre, puisque vous avez cité votre école initiative. Oui, pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, en l'occurrence la sorcellerie, les envoûtements, les blocages mystiques, femmes et maris de nuit, nourriture mystique, les maladies d'origine mystique, tout ça nous soignons dans le Nzobi. Il n'y a pas que la protection, il y a aussi la guérison. Il n'y a pas que la guérison, il y a aussi la prospérité. Alors vous pouvez nous contacter. Un meilleur renseignement. Ouais, vous pouvez nous contacter au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Rappelez-nous aussi. Au 05, pour ceux qui sont à RTL, 05 748 48 32 05. 748 48 32. Et le site, notre site internet, c'est www.ecoleotk.org. www.ecoleotk.org. À Brazzaville, nous sommes à Mukondo, dans la rue Misako, numéro 28. À Pointe-Noire, ici, nous sommes à Patra, juste après le pont. Donc, quand vous arriverez au pont de Patra, il est mieux d'appeler. Vous savez qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas des adresses comme à Brazzaville. Donc, vous appelez et nous allons vous indiquer. Je suis ici pour 3 mois. Nous avons une série de séminaires. Nous avons des cours de spiritualité kamite. Nous avons les traitements spirituels Nzobi ici. Pour tous ceux qui sont désespérés. Ngame Sambil, vraiment, ngame fatigué. Quiz Nakinzam Yange. Quiz Anakimpev Yange. Kuna, vraiment, qui raté que vie. Merci Maître Rama pour cette gamme d'éléments cognitifs sur le Nzobi, cette spiritualité traditionnelle. Je parie que vous avez aimé, vous avez retenu non seulement les notions, mais également les dates et les numéros de téléphone pour pouvoir le rencontrer à d'autres occasions, d'autant plus qu'il est dans la ville pour 3 mois. Si le bon Dieu nous prête vie et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, je nous retrouve à la prochaine occasion, vous le savez, avec la même humilité et avec le concours céleste, bien entendu. Au revoir.